Bonjour, alors je suis Philippe Betin, j'ai écrit un livre depuis 2014, je me suis mis à cet écrit, et il est sorti en octobre 2016, donc le 4 octobre. Alors TPS, je connais depuis 2014, j'étais lauréat du prix Thierry Jonquet de Nouvelles, c'était le troisième. Donc j'ai découvert TPS, le salon, en tant que lauréat, c'était déjà quelque chose de vraiment sympa. Et cette année, j'ai été invité en tant qu'auteur, et alors là, c'est tout est fait pour... c'est vraiment une dimension familiale, on est près des lecteurs, d'autres auteurs, on échange sur plein de sujets. Le côté où on ne s'occupe absolument pas de la vente, puisque c'est la librairie de la Renaissance qui le gère, ça nous soulage énormément et on est vraiment dans un échange. C'est vraiment le mot qui compte. Alors j'ai plus de facilité à écrire dans le train. J'écris presque exclusivement dans le train. J'arrive des fois le week-end à avoir un petit peu de temps, mais c'est trop compliqué. Alors que dans le train, c'est un moment privilégié où on est... Il n'y a plus rien à faire, on attend d'être arrivé. On est bien installé, ça je défends ma boutique. Et on est dans un environnement où il se passe d'autres choses autour. Il y a une vie qui existe autour, on regarde par la fenêtre, il se passe des choses. Donc si l'inspiration ne vient pas tout de suite, ça peut très vite se décanter. Donc c'est vraiment pour moi un lieu privilégié pour écrire. J'ai commencé à écrire depuis très longtemps. Au début, c'était des petits textes comme ça, vraiment pour moi-même. Ensuite, c'était des scénarios de jeux de rôle où là, je faisais pour d'autres personnes. Je les faisais vivre ensuite. Donc, c'était des histoires, il fallait que je les construise, que je construise des personnages qui avaient de l'importance, des typés, qui étaient caractéristiques, qui avaient un but, une psychologie. Et puis ensuite, des ateliers d'écriture, où là, j'ai beaucoup travaillé sur la nouvelle. Et puis, il y a 2 ans, cette envie de faire quelque chose de plus consistant, et surtout pour être édité. C'était là vraiment, contrairement à tous les écrits précédents, où c'était pour moi, pour des amis, là, c'est vraiment pour l'ouvrir à tout le monde, et voir si ça plaît. Alors, j'ai toujours beaucoup de mal à en parler parce que je n'arrive pas à ne voir qu'un morceau de l'histoire. Enfin, pour moi, je vois toujours toute l'histoire. Alors, je vais essayer quand même de condenser. C'est l'histoire d'un jeune policier qui débute dans le métier et qui a une enquête avec des dames qui ont des tempéraments très particuliers, très typés, qui sont... intrigante, attachante, des personnages que j'ai essayé de... sur lesquels j'ai travaillé la psychologie pour vraiment leur donner... ne pas avoir des dames comme on peut avoir habituellement des femmes qui sont un peu soumises ou un peu victimes. Là, c'est l'inverse. C'est plus les hommes qui sont les victimes, qui sont manipulés. Donc c'est pour ça que le titre « Jeu de dames » m'a vraiment bien plu. On a eu beaucoup de mal à le trouver. On a eu plusieurs réunions autour de bières diverses et multiples pour arriver à trouver un titre. Et il colle vraiment à l'histoire. Qu'est-ce que je peux encore dire? Parce que quand même donner envie de lire. C'est un policier, donc il y a des morts. Il y en a pas mal. Il y a quelques scènes un petit peu tendues, crues. Et c'est un roman qui est un peu comme une nouvelle, c'est-à-dire que plus on va avancer dans l'histoire et plus ça va s'accélérer et plus on va arriver à un dénouement qui fait monter la tension. Et bien à très bientôt sur Toulouse, c'est sûr, parce que j'ai grand plaisir à y venir à chaque fois. Merci à vous.